Quoi? J'ai pas compris. Laisse-moi répéter lentement, indistinctement. Qu'est-ce qu'il y a de mal dans cette pièce? Salut tout le monde, ici Sunsin sur ton écran. Bienvenue pour la suite de notre Let's Play sur la peur, hein, The Crooked Man. Je suis pas spécialement rassuré, en plus il y a une musique un petit peu flippante, enfin un bruit strident plutôt qu'autre chose. On est en compagnie de ma femme, hein. Et il y a des personnes fantastiques dans le chat, puisqu'il y a Lurt, CSN n'était pas là, il y a Clem et Camille qui nous a rejoint tout à l'heure, qui était sur du Gartic, et qui est maintenant en train de me regarder avoir peur. Et Carglass, évidemment. Encore? Quelque chose dans ma tête me fait vraiment mal. En fait, il a juste des hallucinations, quoi. En fait, je me suis pas vraiment fait attaquer. Putain, ce cliffhanger pour rien. Ah, mais si! Ah, enfin, j'ai... Ah! Ah! Ah, ce monstre! Pourquoi est-ce que tu me pourchasses? Ah, ah, ah. Merci. C'est tout? J'aurais peut-être dû ramasser la clé avant. Parce que ceci me traîne ailleurs. Tu es VIP? Ouais, je l'ai mise VIP. Après tout, elle est là souvent, donc c'est plus un oubli, le fait qu'elle n'était pas déjà, quoi. Moi, Camille est nouveau alors que j'ai jamais vu ça. You dead, effectivement. Rechargé? Non, mais ça va, pacifique ce monstre. Il vient, il m'étrangle, puis il s'en va. Quoi, je suis en vie? Mais pourquoi de temps en temps il me tue, de temps en temps il me tue pas? Ce monstre, il est parti? Il a pas l'air bien. Non, mais c'est l'ombre en fait. Il est bien. Je pensais qu'il me tuerait, mais il est parti. C'est incroyable. Ah, j'ai mal à la gorge. Et je me sens tellement. Sluggish. J'ai pas dormi depuis hier. Je devrais essayer de me reposer. Ah ouais, mais disons que je marche lentement. Non, il est pas bien là. Il est pas bien. Que l'ombre. Il y a quelque chose de noter à propos du séminaire. Le séminaire de. Du 21. Enfin, 09-21, voilà, je vais noter. Dans l'auditorium, les crimes parmi le... les pauvres. Les pauvres et sa prévention. C'est pas les pauvres. Bah, impoverish, moi ça me fait penser à. Bah non, pauvre c'est pour quelque chose. Pour, ouais. Bon, je pense pas que ce soit important de lire ça de toute façon. Ah oui, j'ai perdu des points de vie. Ah, mais du coup, il y a un système de points de vie dans ce jeu. Plein de livres. Et encore des livres. Tu joues pas à jeu d'horreur? Bah si, c'en est un en fait. Je crois que le fait que je me sois fait étrangler par un monstre... est assez explicite, non? La beauté, c'est les bisous avant tout. À mon avis, il a besoin de se reposer, il faut que t'ailles à l'infirmerie. Ah, mais t'as raison. Allons à l'infirmerie. C'était à gauche, non? Ouais, mais c'est un nouveau live, il faut dire bonjour. Oh, écoute, il était là tout à l'heure. T'as une pause, quoi. Ça va. On va se reposer. Je vais prendre un petit somme. Si je me surmène, c'est pas une bonne idée. Et puis là, il revient me finir, tu sais. Ah, là, t'entends pas, mais il y a quelqu'un qui pleure. Maman, tu pleures encore? Eh mais je viens de penser à un truc, mais si elle est folle, nous aussi on est fous si ça se trouve. Désolé, j'ai rien pu faire. J'ai même pas réussi à te consoler. Bon. Moi aussi j'étais là ce matin et j'ai quand même dit bonjour. Ah, on se calme. Et moi aussi j'étais là ce matin, cet après-midi et je dois bonjour. On se calme, on s'accorde. Ah bon. Elle pleurait toujours dans le salon. Après que j'allais au lit pour dormir. C'est quand j'étais enfant, ça. Oui, bah je m'en doute. Tu parlais au passé. Bon, je me sens mieux maintenant. Allez, c'est parti. Ah oui, bah, c'est bon, je suis soigné. Et tu peux pas y retourner un petit peu, là? Encore un peu? Non, faudrait pas que je reste ici. Il faut que je retrouve vite. Qui? Le gars aux notes. Le gars aux notes? Mmh, mais il a pas compris. Mais oui, mais c'est le Crooked Man. Et il est le seul à pas avoir compris. Je peux pas m'en aller? Non, il faut que je reste ici. C'est vraiment pas nécessaire. On frappe pas les gens, Clem. Mais les gens sont méchants avec moi, ils me crient dessus. C'est pas vrai. Y a quoi en bas? La cave fermée. Mais c'est toujours fermé. Y a un endroit que j'ai pas visité. Bah, à mon avis, là, t'as potentiellement eu un code du coup.
Ouais, peut-être. Faut voir. Y a pas de coffre ici. Si, ça. Non, ça c'est pas un coffre. C'est une boîte à outils. Oui, je l'ai déjà vidé de la baramine, de tout ça. Là. Pas de coffre, enfin si, mais il est ouvert. Bah, j'ai pas de raison de stresser. On vient de m'attaquer, on va pas me re-attaquer. C'est bon, quoi. Allez, on se détend. Je vais peut-être faire du bruit avec ma chaise. C'est bien que je sois prévenu, du coup. Ah mon dieu, impression de côté. Oui, c'est moi qui bouge. Ah. Et là, ça s'ouvre? Non. J'ai cru voir un truc du coin de l'œil, mais j'ai dû rêver. C'est de l'humour, ouais, c'est limite. C'est ouvert. Ouais. Mais comment le monstre est sorti d'ici? Le monstre est là-dedans, j'y retourne pas. Bah non. Bah non, puisqu'il est sorti de là. Mais du coup, je dois faire quoi, moi? Ici, peut-être? Bah non, mais j'en reviens. Ouais, peut-être qu'il fallait continuer à fouiller. T'as peut-être pas bien fouillé la salle. Ouais, peut-être. Il se passe quelque chose ici, non? Non. Sensine, ce matin, il a forcé sur le fait que... il ratait son bus, mais ça nous a bien fait marrer. Oui, mais c'est pas pareil en visuel que en... que à l'écrit, tu sais. À l'écrit, tu peux pas montrer que c'était une blague. Puis écoute, s'il te dit que c'est pas drôle, c'est que c'est pas drôle. Dis pas, waouh, t'as pas d'humour, tu vois, c'est pas une défense. Tu vois, c'est... Enfin, je peux te sur la salle de France Moore. De France Moore, tu penses? Ouais, mais t'as déjà fait la salle, donc normalement... Ouais. Essaye quand même les salles d'à côté au cas où. Bah, elles étaient fermées, alors je veux bien, mais... Mais sinon, après, faut trouver la salle de France Moore. J'avais pas de compte Discord avant. D'accord. Yes, on est... hein? Ah oui. Qu'est-ce que tu dis? Non, je me perds en fait. On va retourner à la salle de Franz Moore, c'est pas lui là? Non. Il était à droite, non? Retraine. Franz Moore. Il y a un truc à faire ici? Bah mais il y a son coffre quoi. Il y a rien dans le frigo, il y a beaucoup de livres, un espèce de journal. Il a perdu son code. Je devrais vérifier. Il a laissé son livre quelque part dans la salle de référence, non? Il dit qu'il utilise un mot de passe aléatoire, non? Ouais, essaye peut-être du coup d'aller dans la computer room. Mais c'est fermé. Tu étais là quand j'étais encore modo? Quand j'étais encore modo? Qui moi? Oui, pourquoi? Mais tu es toujours modo, non? Tu n'es plus modo, Lurt? Bah si, t'as une épée, t'es modo. Dis donc, Paddy, ne stresse pas à mes pieds. Tu m'aides pas à me calmer. Quand il n'était pas modo, ok. Quoi, ça fait beaucoup, non? Hein. Je trouve pas. Peut-être essaye dans la conférence. Conférence room. Là. Là. Non, ça c'était le livre ultra chelou. Ouais. On va regarder tout le livre, hein. Peut-être qu'il va finir par dire tiens, celui-là, il peut être intéressant. Bah voilà. Ah, il a mentionné ce livre. Et je comprends pas un mot de ce qu'il y a dedans. Attends, mais il y a un bout de papier dedans. 9981. Ah bah voilà. Merci. Essaye de voir la conférence room d'abord, c'est juste à côté. La conférence room? La computer. Elle est fermée par une clé, pas par un code. Ah, ah. Donc c'est son coffre à lui. Depuis 2-3, je regarde beaucoup. Tu te souviens de tout premier mot que j'avais dit? Bon alors là. Salut. Ouais, peut-être. Ah, tu sais, ça remonte l'heure. Hein. On va être honnête. Mais moi, je me souviens pas du premier mot que j'ai dit sur mon tout premier live. Hein.
Alors, 9, 9, 8, 1. Voilà, ouvert. Bon, les gens les plus gentils, tout le monde, je vais y aller. Ok, à la prochaine, Clem, des bisous. On va sauvegarder quand même. Là, tu peux aller à la computer room. C'était la clé de la computer room? On va se faire agresser en chemin, je le sens. C'était par là? Ou il y avait un étage entre les deux? Non, il y avait un étage entre les deux, d'accord. Agression? Non. Agression? Non. Agression? Non. Il y a plein de bouts de papier chiffonnés là-dedans. Et ben voilà! Le mot de passe de la salle au code aussi chiffre. On va pouvoir le faire. Pourquoi tant de questions? Ben allons-y. Hein. Attends, la boîte. Non mais en fait c'est dedans. C'est juste que du coup, comme je l'ai pas activé, j'ai le droit de relire. Non, c'est pas ça, c'est que t'étais pas allé voir la boîte bizarre et de toute façon on est en train de s'éclairer. C'est une boîte bizarre? Pour moi c'est un ordinateur. Je suis de profil, je vois pas bien. Deux amis, des membres de faculté et du. De l'équipe de travail, je vous remercie d'être venu aujourd'hui. Nous sommes fiers de vous... D'avoir un ciel radieux pour illuminer nos vies, quoi. Ouais, pour le restant de nos jours. Le futur pourrait être incertain pour certains d'entre vous. Mais soyez persistants. Et... C'est plutôt la persévérance qu'on a appris ici. Résolute? C'est quoi ça, résolute? Déterminé. Ouais, mais le verbe. Non, mais. Et déterminante? Nous, le verbe c'est make. Nous rend déterminés, d'accord, effectivement. Et là, il y a un pétard d'applaudissements pour tout ça. Ah, c'est ça le bruit, on dirait des grésillements en fait. Tout à l'heure, je croyais que c'était du jus de fruits. Attends, cet ordinateur. Mais il était éteint. Cependant, en tant que valédictorien, il y a quelque chose que... Enfin, je ne peux m'empêcher de... Lament. De penser? De regretter, on va dire. Que, ouais. Je peux pas m'empêcher de regretter quelque chose. C'est à propos de David Hoover. Mais attends, mais c'est moi David Hoover, non? Il était plutôt bon. Il était gentil avec nous. Tout le monde l'aimait bien. Il était populaire auprès des professeurs. Alors on pensait qu'il serait... Et on pensait qu'il aurait eu son diplôme et qu'il serait avec nous ce matin. Mais nos espoirs ont été réduits à néant. The man himself. Nos espoirs ont été rendus réduits à néant. Il avait caché son vrai visage. Et pas moins que par l'homme lui-même. Il avait caché son vrai visage derrière un masque d'innocence. D'accord, donc apparemment je suis méchant. Laissez-moi vous poser une question. Est-ce qu'il devrait être pardonné? Peut-il échapper à sa punition pour avoir trahi ses amis et ses mentors? Non! Je ne pense pas non plus. Il devrait être puni pour toujours. Pour avoir... parce qu'il a fait pour réussir à exaucer ses rêves égoïstes. Qu'est-ce que j'ai fait? Oh non, oh c'est pas vrai, arrêtez ça. Ah. Tu es au plus bas. Tes rêves ne deviendront jamais réalité. À quoi est-ce que tu sers, en fait? Bah, c'est plutôt en quoi t'es bon, mais... Oui, non, mais c'est... Va et meurs, espèce de lâche. Meurs! Non! Ok. Donc c'est bien, on joue un taré, en fait. Je suis pas un lâche. Je suis juste... J'ai entendu un cri, c'était toi? Mais tu m'as vraiment fait peur! C'est un e-boy son jeu? Non, c'est Crooked Man. Je suis plus en fait. Non, c'est Pierre Feuille-Ciseaux en fait. C'est ça qu'il l'appelle.
Mais c'est pas un jeu, c'est une série, ça. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Oh, oublie ça. Désolé de t'avoir fait peur, c'est rien. Hé, hey, mec, ça va? T'as l'air vraiment pâle. Je suis juste fatigué. J'ai eu une grosse journée et j'ai pas dormi. Laisse-moi tranquille. Je n'ai pas envie de parler. Mais il est relou, là. Oh, ça va. Il me tend une bouteille d'eau. Non, c'est plutôt sympa. Tiens, prends ça. Hein? J'en ai déjà bu, mais c'est une boisson énergisante. Allez, vas-y, bois. Quoi, t'es sérieux? J'ai pas besoin de ça. Je t'ai dit de me laisser tranquille. Mais ça va, il est gentil. Bois ça, oh! Tu as vraiment besoin... Enfin, on dirait vraiment que t'as besoin de boire quelque chose ou de manger. Et j'essaie d'être gentil, alors accepte-la. Bon, bah merci. Et ça vient du gars qui me traitait de... Enfin... De mec louche. De mec louche, ouais. Bah... Parce que tu ressembles à rien. Mais je suis pas sans cœur, quoi, c'est ce qu'il a dit. Mais je suis pas sans cœur, j'essaye d'être un avocat. En plus, peut-être que c'est le destin. Appelle ça comme tu veux. Mais je vais plus t'appeler Froussard. Non, j'ai dit, c'est... Louche... Mais je vais plus te dire que t'es bizarre. Et maintenant... tiens bon. tu pourrais être mon client si ça se trouve, je suis un avocat. Non, quand je serai avocat. Oui. C'est un drôle de twist, mais merci. Bon, j'imagine. Bon, tu as vu quelque chose d'autre ici? Surtout, quelqu'un de... Enfin, non, t'as vu quelqu'un d'autre ici? Quelqu'un de mon âge, par exemple? Non, personne. Tu cherches quelque chose? Ouais. Enfin, je suis pas plus très sûr de ce que je recherche. Dis-moi si tu le vois, d'accord? J'ai compris. Mais je doute qu'il n'y ait qui que ce soit qui traîne par ici. Hein, je peux te demander quelque chose? Non, je peux te demander quelque chose? Le professeur Andrew m'a toujours aidé... This room. Le professeur m'a toujours aidé et il t'informe que sa salle se trouve au troisième étage. D'accord, mais j'arrive pas à rentrer dedans. Je pensais que le professeur pourrait avoir laissé quelque chose quelque part, mais dis-moi si tu as réussi à l'ouvrir, d'accord? Très bien, je le ferai. Et dernière chose, tu devrais te détendre un peu, t'as vraiment pas bonne mine. Ouais, bah sois prudent aussi. Si tu vois un monstre, fuis. Oh, pas encore cette histoire. Ouais, bien sûr, ouais, j'ai un couteau pour me défendre. Un avocat qui traîne avec un couteau, quoi. Peut-être qu'il est pas aussi méchant qu'il en a l'air. Et j'ai chopé une boisson énergisante, comme si c'était un item qui était important. J'y vais, frérot, désolé. Ok, à plus, Lurt. T'as tous les Pokémon, Lurt? Ah bah non, j'ai commencé il y a 3 semaines, c'est pas possible de tous les avoir déjà. Giveaway? Non, c'est pas une commande qui existe. Pourquoi je suis le dernier? Tu es la seule personne qui reste, c'est vrai? Non, il y a encore Carglass qui n'a rien dit et qui est encore là, non? Je vais pousser la souris. Hop, voilà, derrière ma caméra, c'est très bien. Il fallait que j'ouvre le code avec 6 digits, là. Non, c'est pas ici. Ça devait être à l'étage. Je me suis foiré de salle. Je crois qu'il a dit troisième. Non, tu es le dernier? D'accord. Bah, le let's play de l'horreur, c'est pas un truc qui intéresse plus que ça les gens, mais moi, ça m'intéresse en tout cas, donc je le fais. Tartinou! Il y a écrit 1 avec une tête. Bah, tu sais, c'est pas forcément un jour, et puis comme ça, on est que tous les deux, tu vois. Les meilleurs! Ah bah oui, mais c'était ici en fait, c'est... donc c'est 1, 4, 4, 2, 4, 6. Voilà. Qu'y a-t-il derrière cette porte? Vous le saurez. Non, je déconne. On dirait une espèce de journal. Ah, j'en ai enfin terminé. Avec les examens. Oui. Je suis content que tout le monde ait eu leur... leur diplôme, bien sûr. Il y a aussi D qu'il a encore raté, quoi. Je lui ai tellement enseigné, mais il arrive même pas à avoir les bases. Il est tellement derrière les autres.
Mais il a tellement envie d'être un avocat. Son surnom, c'est D. Ouais, bah c'est pour Dreamer, en fait. Ouais, c'est, enfin... C'est... Apparemment... ça, c'est comme ça qu'on l'a appelé à partir du moment où il s'est mis ce rêve d'être avocat dans la tête. Un rêve impossible. Mais si vous me demandez... Si vous me demandez s'il va réussir... Ah, j'y crois quand même. C'est ça? Non, non, pas du tout. Mais il dit... là, il est en train de dire que D, c'est pour Dreamer. Pour avoir un rêve impossible. Mais si vous me demandez, ça correspond aussi à ses notes. Ah. Ah oui, oh, c'est pas la même chose. Pour sa trash talk. Founds, c'est quoi? En gros, je déteste comment il me suit partout. J'aime pas comme il me suit partout. J'ai essayé d'être gentil avec lui, mais... Mais il vient toujours me voir après les cours et... Ah, je souhaiterais ne jamais l'avoir eu dans ma classe. J'espère juste qu'il abandonne et qu'il trouve une autre voie. Ah, c'est dur. Alors c'est à propos de D ? C'est horrible. Qu'il dit ça à propos d'un élève, je savais pas que D était aussi mauvais. Ah, si je le vois. Non, s'il voyait ça, ça le choquerait. Il a dit qu'il respectait beaucoup ses professeurs. Et qu'il essayait tellement dur. Ouais, je suis assez d'accord. J'ai pas spécialement voulu lui montrer. Hein. Bon, je vais déchirer la page. J'ai pas envie que D tombe dessus. Bah oui, mais si D il te fouille et qu'il trouve la terre sur toi, c'est pas mieux. Ah oui, mais c'est vrai qu'il va aller dans ce bureau. Donc c'est vrai qu'il finira par la trouver en fait. Pourquoi ça descend plus? Je suis parti à la vitesse de l'éclair de Sunsin. Je vais regarder Grenat. Ça fait longtemps que je l'ai pas vu en live depuis. Ah, ben elle est en live là? Ah, j'ai peut-être l'argent de tout à l'heure alors. Enfin, probablement que je ferai pas de live parce que j'ai pas envie, mais j'ai envie de jouer quoi. À Stardew Valley avec elle, c'est plutôt une bonne idée. Bon, ça, c'est s'il y a. Comment il s'appelle déjà? Ben Momentum, évidemment. Enfin, à voir quoi. Ah! Ah, mais là, mais comme il me snob! Ah, ça y est, c'est maintenant il me fuit, moi, tu sais. Le monstre est encore dans les parages. Est-ce qu'il est en train de me chercher parce qu'il a pas pu me tuer plus tôt? Ouais. Peut-être que c'est. Ouais. Je dois vraiment persuader D de s'en aller. C'est vraiment dangereux ici. Faut que je le trouve. Ouais. Bah, j'ai ma petite idée d'où est-ce qu'il est. Il doit être dans la salle qui a pour l'instant servi à rien. À savoir. Celle-ci. Non, celle-ci. Voilà. Perdu. Il était pas là. C'est ennuyeux d'être le seul. Écoutez, pas tout seul. Je suis là. Bah après, c'est vrai que j'interagis moins que sur du Gartic ou ce genre de choses. Parce que là, pour le coup, c'est plus le jeu qui prend le pas sur la conversation. Je sais pas du tout où est-ce qu'il peut être le dé là. Oui, il a dit qu'il allait traîner. Donc... Dans le bureau, certes. Bah, tu crois qu'il y est allé pendant que je regardais pas? Bah, en tout cas, tu veux pas à droite. Ah, ouais, c'est vrai que je pourrais aller à droite. Ouais, t'as raison, en fait, fais-moi aller à droite. Bah, non, il y a le monstre à droite. Bah, on s'en fout, justement, c'est là qu'est la suite, non? Ouais, voilà. Et voilà. Curieux. Donc là j'en viens. Non, c'est de là que je viens. Oh, je sais plus. Il y a le monstre dedans. Mais non, il n'y a pas le monstre dedans. Tu vois bien qu'il n'est pas dedans. Bon, il n'est pas ici. Il n'était pas tout en bas. Il doit être quelque part au milieu. Il n'est pas là non plus. Où peut-il bien être? Est-ce qu'il est là? Il n'est pas dans le monde charge. Il s'est pas caché dans le monde charge. Non, je pense que c'est un vrai ascenseur. Bah, ça disait que je pouvais pas monter dedans tout à l'heure. Ouais, mais je crois que c'est parce que ça fonctionne pas. Bah, je vais quand même essayer, parce que si jamais il est là, ça va être un peu con, en fait. Non, ça dit rien. Bon, il est pas là... Je croyais qu'il est parti aux toilettes. J'ai essayé. Je peux pas entrer dedans. T'as déjà essayé là-bas. J'ai déjà essayé les deux salles là. Ouais, mais t'as pas essayé là. T'es sûr? Si, j'y suis allé. C'est même le premier endroit où je suis allé. Ah, j'ai pas essayé ici. Mais c'est dingue, mais il est où?
Oups. Donc là, on a essayé. Là, c'est fermé. Ouais, non, t'as raison, t'as essayé. Bah, descend nulle part, en fait. À la cave. Ah, c'est vrai qu'il y a la cave. J'avais oublié qu'il y avait l'escalier encore ici. Oh, bah, il doit être là, oui. Ah, la porte est déverrouillée. Ouais, j'ai un mauvais pressentiment. On dirait que l'air est lourd. Mais qu'est-ce que ça veut dire? On a le droit d'être AFK et de laisser le live pour les Pokéball? Ouais, bien sûr, fais comme tu veux, hein. Tu sais, si ce que je fais ne t'intéresse pas, tu n'es pas obligé de regarder, mais si tu veux rester, il n'y a pas de souci, hein. Vraiment, tu es libre. Je vais pas te dire, non, casse-toi, tu es là, tu regardes, sinon tu t'en vas. Tordu, non? Enfin, tu gères comme tu veux, hein. Oh. Mais qu'est-ce qui se passe? Relève-toi. Oh, ma tête, je me sens comme une merde. Maintenant que tu le dis... C'est dur de respirer. Qu'est-ce qui se passe ici? Il y a du poison dans l'air. C'est le gaz! Hein? Quoi? J'ai pas compris! Laisse-moi répéter lentement, indistinctement! Qu'est-ce qu'il y a de mal dans cette pièce? Le sol! Ça relâche du gaz! Il faut que je sorte! Ah, j'ai compris! Je vais te porter sur mes épaules. Ah! Mais il se marre en plus. Il est là! Il ne va pas nous laisser partir! Oh mince, le gaz il s'enfuit. Je vais être empoisonné si je ne suis pas assez rapide. Ah bah voilà. La sauvegarde, le jeu il a prévu que... Oh c'est marrant ça. Le jeu il a prévu que tu sauvegardes parce que sinon tu restes trop longtemps, tu meurs. Ah trop bien. Eh bien comment on va s'en sortir? Vous le saurez dans le prochain épisode. Je vais arrêter le live à peu près maintenant. Voilà, merci d'avoir regardé cette... Oh le jeu! Mais pendant que je suis dans les options, quoi, il a aucune pitié! Ah, je peux pas recharger. Ah, c'est marrant ça. Je peux pas recharger. Et je peux retourner à l'écran titre. Ok, ça va. Ok, si je peux recharger comme ça. Ok, bon, merci d'avoir été là. Je vous fais des gros bisous. Et je vous dis à la prochaine. Allez, bye!